Oh, Dalida, ma chérie. Oh, comment tu vas? Comment vas-tu toi-même? Comment va ton bras? Mon bras, tout va très bien, c'est plutôt ma jambe. Ah bon? Oui, tu vois. Remarque, tu as un très joli pansement, mais moi je croyais que c'était ton bras. Non, ça fait non, il y a 10 ans, je me suis cassé le bras. Comment vas-tu, toi? Tu es ravissante. Moi, je suis dans une forme extraordinaire, figure-toi. Ça me fait très plaisir que tu sois venue. Tu viens nous chanter une petite chanson. Mais Marc, tu as très bon moral, tu vois. Tu vois? Regarde, voilà, tu me souris. Oui, c'est très joli, ça, madame. Excusez. Bon, vous voulez enlever tout ça, madame, ma chérie. Tu as fait une très jolie. Assieds-toi une petite seconde. Voilà. Comment trouves-tu dans mon nouveau rôle? Bien, moi, je te trouve très, très bien. Tu es très à l'aise. Un comédien peut savoir tout faire, ça, ma chérie. Ça me rappelle l'histoire d'un de mes amis qui se trouvait exactement dans la même situation. Moi? Ah bon, il faisait l'animateur télévision? Non, pas animateur télévision. Il avait un pied dans le plâtre. Et il attendait un jour la visite d'une grande productrice de cinéma. Et il avait à côté de lui un de ses amis. Et pour lui, le rôle qu'il devait jouer était très important. Alors, regarde ce qui va se passer.